des vacances avant les autres cette année. La défense, Thiago Silva Diallo, le milieu, le duo. Elle est peut-être là avec l'un des premiers ballons de Neymar. Ferrance, Diallo pour Mbappé. Ouais, c'est ça, c'est uniquement qui bouge aussi bien là, collectivement et avec des joueurs aussi talentueux que ça. Le départ de Mbappé, le centre pour Di Maria, la reprise au-dessus. Ils sont très actifs déjà dans ce début de rencontre. On avait un petit doute. Maria, le ballon qui va... Tiens, but peut-être en 2019 pour Kylian Mbappé. C'est magnifique. Oh, une contre-attaque et Paris mène déjà 1-0. Toujours la même relation. Neymar, Mbappé. Ah mon Dieu, c'est terrible évidemment pour les Amiénois qui se sont hardis, qui se sont dit tiens, on va leur poser des problèmes offensivement, on va jouer le coup à fond. Bah oui, mais ils sont placés et très vite leurs attaques et ils savent contrer aussi. Amiens a été un peu naïf sur cette... Oui. Mbappé aussi. Mbappé dans la surface, c'est Icardi qui réclame le ballon, il est servi. C'est Neymar finalement, second poteau. Il... Mbappé... Ah, c'est Mendoza bien. Encore, hein, qui c'est Diabaté qui s'était échappé. Le centre de Meunier, le ballon qui revient sur Mbappé, quel arrêt de Gürtner, un bout portant devant Kylian Mbappé, tout proche du doublé. Ouais, il était proche du doublé. Demandez aux deux milieux défensifs si le tournant, c'est sans doute la conférence de presse de Tourelle à boulot quoi, pour la récupération. Bien fait de la part de Verratti. Ouais, mais c'est le seul qui... La tribune, alors que le jeu se poursuit avec Mbappé. Et Bernat encore. Avec Kylian Mbappé dans la surface. Et les gris-gris de Mbappé face à Niaoré, la passe est... Ce sera deux renforts de poids pour la seconde partie de saison. Oh, c'est bien joué. Et il y a peut-être un 2 contre 1, les deux mènent. Neymar et Mbappé pour le deuxième. Et le très bon retour défensif, ça fait deux fois d'Alessami. Mais Amiens ne doit pas répéter les mêmes erreurs. Chic. Meunier pour encore. Mbappé qui a redonné. Qui peut retrouver Mbappé. Le centre de Mbappé. Mbappé. Mbappé qui va passer à Alessami, Mbappé qui va frapper en angle fermé, comme tout à l'heure, Gürtner résiste. Dans les enchaînements aussi, c'est très rapide. Mais pourquoi il lui laisse autant de liberté aux Parisiens? Et du coup, ça s'ouvre en contre-attaque avec les quatre fantastiques, Di Maria, Mbappé, Icardi, qui retrouve l'international français. Cette équipe qui lutte avec acharnement pour empêcher... La cote d'amour remonte aussi pour Neymar. On va pouvoir avoir d'opportunités. Mbappé, okay. Défensivement, ce qu'ils n'ont pas encore, ce qu'ils n'ont pas eu. Mais alors sur la ligne, c'est un phénomène. Mbappé, face à Calabresi encore. Mbappé, le centre de Mbappé, la remise. Et puis il faut qu'offensivement, dès qu'il... Mbappé. Comparedes. Verratti pour Mbappé, la tête de Mbappé. Et l'arrêt de Gürtner. Ce n'est pas son point fort, le jeu de tête à Kylian Mbappé. Ouais, il n'a toujours pas marqué en Ligue 1. Et Kylian Mbappé, le contrôle a été bon de Mbappé, la frappe enroulée, elle a été touchée par Calabresi. Di Maria avec Mbappé, Mbappé la frappe et le troisième but parisien. Neymar au départ, Di Maria pour la passe décisive et Kylian Mbappé à la conclusion pour le doublé. Paris 3, Amiens 0. C'est incroyable comme Neymar a piégé tous les Amiénois. Il s'est arrêté long la ligne de touche près de son banc. Et là, tous les Amiénois l'ont regardé en deux milieux au cœur du jeu parisien pour défendre maintenant. Parce que là, il y a une sorte de rage oubli un petit peu plus. Ils avaient promis un bon dernier spectacle juste avant les fêtes. Ils en mettent peut-être un peu moins, les Parisiens, depuis le troisième but. Et Amiens en profite pour... C'est vu l'image au dernier moment, a priori c'est lui. On va y aller pour Kylian Mbappé. Mbappé avec Di Maria. Neymar qui joue corner avec Mbappé. Il a donné en une touche à Mbappé, non? Il faut qu'il la touche trois fois. Pour Mbappé dans la course. La défense. La coupe. Dans le match. Et pas pour la quatrième fois, ils ont tous les trois marqués. Et Kylian Mbappé va peut-être s'offrir un triplé. Mbappé qui a voulu donner le ballon à Neymar. Ouais, sympa. Il n'a pas voulu tirer. Ouais, c'est sympa, sympa. Kylian Mbappé. Ouais. La passe de Mbappé trouve sur la pelouse et qui va aller faire un câlin à Kylian Mbappé. Ça, c'est... ça va encore... Et ça pleut au Parc des Princes. Bah oui, ça va encore plus être le chouchou du parc parce que ce geste-là, évidemment,
va renforcer sa cote de popularité. Ah, pour lui, c'est vraiment Noël avant l'heure. Mbappé va le raccompagner, peut-être jusqu'à la tribune. Il en pleure. Oh, c'est génial. Il en pleure d'émotion, le pauvre. Ouais. Alors, c'est jamais bien d'envahir un terrain, mais franchement, c'est génial. Oh. Et il fait un cadeau à Mbappé, qui va lui signer l'autographe. C'est extraordinaire. C'est une image très sympathique. Kylian Mbappé qui signe un autographe en plein match. Oh mon Dieu, c'est quoi ton plus beau cadeau? À votre quatrième but dans cette rencontre pour le Paris Saint-Germain. Mbappé, le centre de Mbappé, repoussé, montre à quel point Kylian Mbappé a faim à la 94e minute. Eric Vatelier met un terme à cette rencontre. Dernier match de